Moi, je travaille beaucoup sur le principe de recouvrement, c'est-à-dire que je dessine sur un support imprimé qui me permet de soit d'évoquer quelque chose de complètement autre, soit de mettre à jour des choses qui sont présentes dans le support et qui, par le dessin, par le recouvrement, en travaillant dessus, qui me permettent de le révéler, quoi. Un atlas qui doit dater, je pense, des années 40 et qui est composé de différentes feuilles avec des feuilles qui se déplient. Donc il y a différents formats de pages, des formats simples, des formats doubles ou des formats triples. Et c'est sur l'ensemble des régions du monde. Donc c'est savoir jusqu'où je peux aller avec le dessin, en le recouvrant entièrement avec de l'encre, une couche opaque d'encre noire, ou avec des petits traits, donc soit des lignes horizontales, verticales ou obliques, ou des petits points qui forment comme une sorte de trame, pour essayer de faire dire autre chose et essayer d'aller jusqu'à un point limite sans tomber complètement dans l'abstraction. Toujours se situer un petit peu à la frontière entre le figuratif et l'abstrait, mais tout en cachant finalement les éléments, soit les personnages, soit les véhicules, soit les maisons, qui étaient les choses les plus figuratives dans la photographie. Je masque et j'enterre une majorité de choses présentes dans l'image initiale, mais pour qu'au contraire, tout ce qui reste à la surface soit regardé de manière d'autant plus précise et juste en fait. J'avais en fait commencé ce travail-là avec l'ouvrage de Hergé, Tintin en Amérique, où je voulais analyser un petit peu la violence présente dans cette bande dessinée. Et j'avais commencé par entourer tous les mots et qui avait un rapport avec la violence, la religion, l'argent, etc. En recouvrant en noir tout le reste de la page et en laissant à découvert ces mots, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être moyen de poursuivre ma réflexion en laissant aussi à découvert des zones de couleur qui pouvaient rentrer en liaison directe avec les mots que j'avais laissés aussi à découvert. Ça s'est prolongé sur la création même d'une image sur une image préexistante, que ce soit le dessin, une carte de géographie, des textes, des photographies, avec un jeu de recouvrement total, partiel, transparent, semi-couvrant. Il y avait une gamme infinie de choses à entamer dans la discussion justement avec l'image. J'aime bien qu'on ait cette impression-là que, par exemple, quand je travaille sur une grande carte ou sur une grande image très colorée, en appliquant une peinture noire, finalement, on a l'impression que finalement, toutes les touches de couleurs qui restent, elles sont aussi de moi, en fait, alors que c'est les seules choses que je n'ai pas touchées. Mais par rapport au fond noir ou au fond blanc, elles viennent en avant et elles semblent avoir été posées sur ce fond noir après coup, quoi. En fonction des supports que je recouvre, je choisis une technique différente qui dépend de la nature même du papier. C'est-à-dire que l'encre de Chine ou la peinture acrylique ne va pas travailler le papier de la même manière. Et aussi en fonction de ce que je veux laisser au jour, est-ce qu'il peut y avoir une transparence ou pas, je choisis par exemple une peinture blanche ou une peinture grise ou une peinture noire pour essayer de jouer encore plus sur des correspondances et des fantômes de l'image initiale. J'avais recouvert le catalogue IKEA et là, ça me semblait intéressant de travailler avec de la peinture blanche et grise et d'essayer de garder des sortes de transparence dans la photographie initiale en essayant de redessiner le volume même de la pièce dans laquelle les meubles étaient installés. Après, ça a donné une succession de formes abstraites s'enchaînant les unes avec les autres, avec des valeurs de gris différentes. Et du coup, il y avait un côté un petit peu suprématiste qui a surgi et auquel je ne m'attendais pas. Mais dans les zones blanches, par exemple, on voyait le fantôme des meubles qui préexistaient sur la photographie. C'est à la fois un travail sur les images, mais en même temps sur le graphisme, sur la manière dont on pense un livre. Et c'est toutes ces choses-là. C'est-à-dire que je vais m'intéresser aussi bien à la beauté d'une typographie qu'au caractère intéressant d'une couleur dans une photographie ou dans un dessin.
La contrainte permet de générer une sorte de liberté incroyable, c'est-à-dire à partir du moment où on a posé des règles, finalement on va arriver à développer un travail qui va nous emmener dans une direction qu'on n'aurait pas eue au préalable si on ne s'était pas donné ces contraintes-là. C'est un travail qui peut paraître un peu froid ou très, très conceptuel ou très, très aride parfois, et en même temps j'essaie de donner le plus de richesse possible, enfin de lecture possible de l'image. Donc finalement, moi je suis pas sûr d'être tant que ça un minimaliste en fait non plus. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'aller dans cette direction-là, mais en même temps par la profusion finalement j'en suis pas forcément un. C'est comme si finalement j'étais face à un mur et qu'au fur et à mesure j'arrivais à trouver la petite fissure, le petit passage secret dans la palissade pour passer de l'autre côté et finalement découvrir énormément de choses sur cette image initiale et presque d'être dans la tête même de la personne qui a construit ce dessin. Il y a cette idée de comprendre ou d'interpréter totalement une image qui n'est pas de soi, mais donc de l'interpréter tellement que finalement on est passé de l'autre côté, quoi, comme Alice, de l'autre côté du miroir. C'est vraiment, y a vraiment cette idée-là, à un moment donné, de franchir quelque chose, une sorte de première pellicule, et d'aller de l'autre côté et de découvrir un monde entier.